Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cet après-midi pour une nouvelle sortie détection. Donc toujours dans le même pré. C'est la troisième fois que je viens. Bon, j'ai fait quelques trouvailles sympas, dont la petite 5 soldi. J'espère que ça va pas être trop désagréable à regarder. Allez, ça fait 3 minutes que je suis rentré. Un petit son à 18 dans un trou d'une bonne vingtaine de centimètres. Et ça se trouve ici. Premier trou, première monnaie. Et c'est... Ah, c'est du récent. Centimes la griffoule. Bon, 1962 je crois. Allez, c'est cool, ça démarre pas mal. À plus les amis, on a fait une centaine de mètres, nouveau son à 21-23, un petit trou de quelques centimètres et ça se trouve ici, un gros module. Alors, apparemment 10 centimes Napoléon, 10 centimes Napoléon 3. Bon, c'est cool, il reste quelques reliefs. Allez, à plus. Allez les amis, un nouveau son à 17-18 dans ce trou. Je n'ai pas regardé encore, ça se trouve ici. Allez. Une napo, 5 centimes Napoléon 3. Mais avec une patine très sombre. Ah, y a pas beaucoup de relief, hein. Bon, allez les amis, à plus. Les amis, donc dans un trou d'une quinzaine de centimètres, un gros son à 23. Et ça se trouve ici, un franc. Bazor, toute jaune. Par contre, gros son à 23, donc c'est un petit peu étonnant. D'habitude, ça sonne plutôt à 18, ces monnaies. Donc, voilà. Allez, une pièce de plus. On va continuer encore une grosse demi-heure, et puis ça va être le moment de rentrer. Allez, à plus. Bon, les amis, alors, la 1 franc Bazor était juste là. J'avais rebouché, et en fait, j'avais encore un son à 23. Donc je suppose que le son à 23, c'était plutôt celle-ci. Parce qu'il me semble que c'est une 2 francs, donc qui correspond beaucoup plus à ce son. Allez. Voilà. Il était là le son à 23. Donc 2 francs Morlon. Donc une petite boursée, c'est cool. 1943. Allez, je vais vérifier s'il n'y en a pas d'autres. A plus. Les amis, un bon son à 21-23, donc dans un trou de plus de 30 cm. Et ça se trouve ici. Donc, jolie trouvaille parce que c'est une bagouze. Enfin, tout du moins, ça en a l'air. Allez, on regarde. Ah, c'est en cuivre. En cuivre, et c'est décoré. Hein. Bon, c'est un petit peu de la cacaille, hein, parce que là, c'est même pas soudé l'un en face de l'autre. C'est vraiment de la bague de pacotille. Allez, mais c'est cool quand même. Hein.
Allez, à plus les amis. Les amis, on se reprend pour un nouveau 100 à 18. Et ça se trouve ici. Donc elle a pris un petit coup de pelle. Et c'est un franc. Bon, du commerce et de l'industrie. Bon, c'est cool. Allez, à plus.